Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Ayan Lac. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un motion tracking. Donc je l'ai mis au début de la vidéo. Je vais vous le remontrer, on sait jamais. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire ça. On voit bien que le texte est bien dans la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, le motion tracking c'est le texte qui est incrusté dans la vidéo. Enfin il bouge pas quoi, c'est comme le camion, enfin. Il est vraiment dans la vidéo quoi. On peut voir que le texte ne bouge pas du tout comparé à la vidéo. Donc il y a même un effet d'ombre, color correction, enfin je vais vous montrer tout ça. Donc pour ça vous aurez besoin d'After Effects, de Cinema 4D et de Boujou. Ils sont trois logiciels, trois ils doivent valoir, je sais pas, 3-4 000 euros. Mais on peut les avoir gratos, c'est l'avantage. Alors on va commencer par ouvrir After Effects. Donc j'espère être upload par la chaîne de la FFE, qui est une chaîne communautaire d'édit. Donc si il commence les tutos, donc c'est pour ça. Donc s'ils m'uploadent, c'est sympa à eux. Oh putain. Alors, donc on ouvre After Effects. Voilà. Alors, on va prendre la cinématique que vous voulez. Donc moi c'est celle du que je vous ai montré au début. Donc, on la fait glisser ici. Alors, au lieu de faire clic droit, nouvelle composition, on va prendre directement le fichier et on le fait directement glisser dans la timeline. Donc ça va créer une composition avec, enfin, ça va créer une composition adaptée à la vidéo en fait. On peut voir que c'est la même longueur, le même nombre d'images, etc. Alors, mais c'est pas. Enfin, là c'est presque fini, mais on va faire clic droit sur la composition, paramètres de composition. Ou alors on fait composition, paramètres de composition, c'est pareil. Alors largeur hauteur, le mieux c'est 1280x720. Si vous avez autre chose par rapport à la vidéo, c'est votre vidéo, elle est pas en HD. Alors, bon, le temps on s'en fout. Là, à cadence, pas. Alors moi j'ai 50 parce que je l'ai déjà fait rendu, ça c'est le rendu en fait. Mais si vous en général vous aurez soit 59,94, soit 29,97. Alors il faut un chiffre rond pour Boujou, donc vous prenez toujours celui qui est juste en dessous. Si vous avez 59,94 vous prenez 50, si vous avez celui-là vous prenez 25, juste en dessous vous prenez. Alors donc moi c'est 50, on fait OK. Alors là il va falloir faire deux rendus. On a fini sur After Effects, enfin je vous montrerai plus tard si vous voulez, si ça fait pas trop long. Alors donc on fait composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Alors, là la première fois, on va mettre le format normal qu'on utilise pour une vidéo, ouais, celui que vous utilisez normalement, hein. Moi j'utilise H.264, si vous utilisez autre chose, prenez autre chose. Donc on va faire un premier rendu. Dans les destinations, moi j'ai mis dans le bureau. Donc une fois que le premier rendu est fait, moi j'ai déjà fait, on retourne dans la composition, on refait composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Sauf que cette fois on va cliquer sur non destructif, en format on va mettre séquence JPEG. Donc en gros ça va créer plusieurs images, toutes les images de la vidéo ça va les créer par image, comme des photos en fait. Donc on va faire OK. Et dans destination par contre je vous conseille vraiment de créer un nouveau dossier pour mettre toutes les photos dedans, parce que sinon dans votre bureau ça va prendre, mais la dernière fois que je l'ai fait moi ça a pris deux écrans je crois, faut s'en continuer sur la droite, enfin c'est un gros bordel. Donc je vous conseille de mettre ça dans un dossier. Donc vous faites le rendu, une fois que le rendu est terminé on peut fermer. Hop. Donc là on a bien le dossier avec toutes les images. Hop.
Donc on va ouvrir Boujou. Là, on a Boujou. Maintenant, on va prendre le dossier. On a toutes les photos dedans, toutes les images. Le deuxième rendu qu'on a fait, en gros. Prenez le dossier. Prenez la première image. En général, c'est la première, mais peut-être pas. En tout cas, c'est celle avec 0, 0, 0, 0. Enfin, voilà. Prenez celle-là. Juste celle-là. Hein. Et vous la faites glisser dans Boujou. Alors là, il va vous afficher ça. En framerate, il n'y a presque rien à changer, sauf framerate. Vous prenez. En gros, c'est le nombre d'images par seconde, donc vous prenez ce que vous avez pris pour le rendu tout à l'heure. Moi, c'est 50. Et on fait appli et close. Donc là, on a la vidéo. J'adore cette explosion. Donc là, on a la vidéo. Et on va faire track features qui est ici. On n'oublie pas de cliquer sur all frames et on va sur advanced et on pousse la barre au maximum. Ça va détecter plus de points. Et on fait start. Donc là, ça va vous afficher un petit temps de rendu. Le temps qui détecte tous les points de la vidéo. Toutes les images. Donc plus votre cinématique est longue, plus ce sera long. Hein, c'est normal. Donc, si la FFE m'upload. J'ai un petit peu parlé de moi, donc je fais surtout des edits. J'édite la OPEC et la BLAD et sur la TRIG aussi. Ce sont trois teams. Voilà, la plus connue c'est la OPEC, après il y a la TRIG. Et donc je vais bientôt sortir un gros team Tage, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez. Alors, donc une fois que le rendu est fini, on voit bien qu'il a détecté tous les points. Donc on va faire un nouveau petit temps de rendu, on appuie ici sur Caméra Solve. Qu'est-ce que tu me fais toi? Caméra Solve. Donc all frames pareil. Hein. Et on n'oublie pas Optimize Camera Path Smoothness. On coche la petite case et on appuie sur Start. Donc là, le temps de rendu est beaucoup plus court. Et donc là, il a détecté des points fixes. Les points jaunes et bleus. Alors les jaunes, c'est ceux qui sont fixes. Les bleus, on peut pas trop les. Voilà, on peut pas trop y toucher au bleu. Pour voir si le rendu a bien marché, on peut appuyer sur 3D. Alors, estampé sur Shift, on peut bouger comme ça. Et on peut voir à peu près si les points forment comme les trucs de la vidéo, on peut voir si ça a marché ou pas. Bon, là, on a le sol, on peut voir là sur la gauche. Au milieu, il y a le camion qui explose, donc on voit pas grand-chose. Et sur la droite, le bâtiment. Ça se voit pas super bien. Mais ce qui m'intéresse moi c'est le sol. Si on voit que les points sont n'importe comment, on pouvait refaire le rendu, hein, ça sert à rien, ça va pas marcher. Excusez-moi. Donc, maintenant, on va faire scène géométrie. On va faire add chord frame int. Dans type, on va mettre XF6. Donc là, si vous êtes un peu de matheux, c'est X, hein. Alors donc c'est la barre horizontale en gros du texte, le sens. Donc moi on prend un point jaune, on reste appuyé sur CTRL et on prend le deuxième. Donc moi on voit que ça fait une barre comme ça. Ensuite on appuie sur Connect to Selected, on refait Add Chord, sauf qu'en type on va mettre Z-axis. Donc cette fois ce sera dans quel sens la profondeur elle va être. Donc on appuie sur un point. Contrôle et le deuxième, donc bon, il va être comme ça. Ça n'a rien à voir avec la taille du texte, hein. Ni même l'endroit. Donc on refait Connect to Selected, on refait Add Chord et en type on va mettre Origine. Donc là ça va être l'endroit du texte, le point où le texte va être. Donc moi je le veux ici. On n'en choisit qu'un cette fois et on fait Connect to Selected. On peut faire Update et là on a fini. Donc on fait Update Chord Frames. Et close. Pour voir si le tracking a marché, on appuie sur la petite coccinelle bleue ici, Add Test Object. Hop, on s'en fout. Et donc la coccinelle, en gros,
Petite coccinelle bleue, c'est l'endroit où le texte va être. Donc là, on peut voir que ça bouge pas du tout, donc c'est magnifique. Si vous voyez que la coccinelle part un petit peu en couille, hein, vous pouvez refaire le tracking. Parce que sinon, le texte, il partira en couille aussi. Donc maintenant, on peut exporter la vidéo pour Cinema 4D. Donc on fait export caméra. Export type, on met Cinema 4D. Donc on va le mettre dans le bureau. Donc, je vais l'appeler tuto tracking. Ça va être sympa ça comme nom. Hop. Et en ici là, à la place de 10 000, on va mettre 100. Et on fait save. Donc là, on peut fermer Boujou. Et on va se retrouver sur Cinema 4D. Donc, on double-clique sur le projet qu'on a enregistré. Donc moi, c'était dans le bureau. Donc c'est un projet After Effects. À partir de Boujou, on l'a enregistré. Ensuite, il y a ça qui va s'afficher. On fait toujours OK. Donc là, il y a des petits points noirs qui vont s'afficher et rien d'autre. Vous touchez à rien, vous bougez rien ici. Si vous bougez, ça va tout foirer. Donc, on reste appuyé ici. On crée un arrière-plan. Hop, on touche toujours à rien. On double-clique ici pour créer une texture. On double-clique sur la texture. On fait hop, sur la petite flèche, changer une image. Et là, on va prendre la vidéo. Le deuxième rendu. Non, le premier. Qu'on a fait avec After Effects, le format vidéo. Hop, pas toutes les images. Donc on va mettre intensité à 0, intensité à 0. On décoche spécularité. On ferme. On fait glisser sur l'arrière-plan. On va à mat. On met l'intensité ici à 100. Et on va une image. Donc là, hop là. Donc là on voit. Oui, parce que l'image 0 ça fait toujours tout blanc. J'ai pas tout compris, mais c'est toujours comme ça. Alors, donc là on a ça. On touche jamais au truc ici là. On ne bouge pas l'angle. Enfin, on peut, mais bon, après c'est vraiment chiant. Ça fait bugger le truc. Ça marche pas très bien. Donc on va dans mon graphe. On peut créer un texte et là le texte aura motion tracké obligatoirement. Donc là on va peut-être le bouger un peu, on va peut-être le baisser un peu. Après je vais vous montrer comment faire un beau texte parce que là on peut voir que ça fait pas du tout dans la vidéo. Il est motion tracké mais il est pas du tout beau. Donc moi je mets en 40 la profondeur, c'est bien. Après ouais, on va prendre la police. Donc moi, Batman Forever, j'aime bien. C'est assez beau, je trouve. Et le truc, on va l'appeler tuto. Super nom. Donc, on a donc le texte là. Et là, il est toujours motion tracké. Hein. Je vais pas vous le faire bouger parce que on verra pas bien. Mais faites-moi confiance, il est motion tracké. Alors, ensuite, on va créer une nouvelle texture. Donc, on double clique sur la texture. En couleur, moi j'avoue j'aime bien le bleu, donc on va mettre en bleu le texte. On va cocher la case réflexion qui est ici et on va mettre texture charger une image. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que je suis con. Texture, pardon, Fresnel. Dans la réflexion, hein, pas couleur. Cliquez ici sur réflexion, on coche la case et on va dans texture Fresnel. Alors, on peut fermer. On la met sur le texte. Donc là, on peut voir que si on fait un rendu, c'est toujours pas très très beau. C'est pour ça que on va ici, on reste appuyé, on crée. Oui, pardon. On crée un. Non. On va ici, on crée un sol. Ce sol, on va lui mettre la texture qu'on avait utilisée pour l'arrière-plan. Hop, on va faire clic droit sur le sol, propriété Cinema 4D. Putain, t'es con. Voilà. Et on va faire rendu. Ensuite, on coche cette case-là, on décoche celle-là. Donc, si vous suivez pas tout, hein, je vous conseille de soit de voir des tutos sur ce logiciel, sur les bases,
soit de revoir la vidéo quoi, et de bien regarder ce que je fais. Donc ensuite on clique sur la petite boule qui est ici, on va à type de projection, on fait frontal. Donc là si on fait un rendu, il n'y a rien qui change sauf le texte. On peut voir qu'il a des reflets, donc c'est plutôt pas mal quand même. Ensuite un truc qui peut faire très très bien, parce que là on peut voir qu'on a un petit soleil, enfin une source de lumière, donc on crée une lumière, donc on clique une fois ici, hop, la lumière on la place à peu près à l'endroit du soleil, on va dire ici. Donc là je vous montre ce que ça donne ça. Alors, la lumière pourquoi peut-être la baisser un peu. Allez, baisse. Sois pas conne. Voilà. Alors, et on clique sur la lumière là. On sélectionne et on va dans ombre. Et on met masque d'ombre, ombre diffuse. Donc là, on a un petit effet d'ombre qui est vraiment bien quand même. Donc, voilà, après c'est tout. Après, si vous connaissez un peu sur After Effects, vous pouvez retravailler ça. Hein. Donc vous faites le rendu sur Cinema 4D. Moi c'est ce que j'ai fait. On fait le rendu de Cinema 4D. Ensuite, je vais vous montrer. Ensuite, regardez dans la vidéo. Hop, donc là on peut voir que j'ai mis une color correction. Donc en gros ça change les couleurs du texte. Elle ressemble d'ailleurs un peu à celle de Walking Dead. Hein. Donc, hop, donc il y a l'effet d'ombre. Après j'ai mis un petit Twixtor, donc un ralenti sur explosion, et donc ça donne vraiment bien quoi. Il suffit de retravailler, on fait une très 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 belle cinématique. Et donc voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas à laisser un j'aime. Et si vous n'arrivez pas à faire des trucs, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Envoyez-moi des messages si vous voulez des tutos sur d'autres effets. Je me ferai un plaisir de les faire. Allez hop, c'était Iron Lac.